Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouveauté Action. Regardez-moi cette nouvelle palette. Aujourd'hui, on est le 7 octobre et je l'ai trouvée dans mon Action, je la trouve vraiment très très jolie. Donc c'est une nouvelle palette Max & More qui s'appelle Brasil, qui vient de chez Action. Elle a coûté 4,59 €. Il y a 21 fards de 1 gramme. J'enlève le film plastique. Et on va découvrir ensemble les merveilleuses couleurs qui composent cette palette. Regardez-moi ça, plein de nude de ce côté-là. Ensuite, on a des tons beige, beaucoup d'irisés comme d'habitude, du noir, du mauve, de la paillette, des couleurs bleues. Il y a un jaune ici, si on veut oser, et Paradise. C'est plutôt des couleurs d'été, mais pourquoi pas. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes pour pouvoir swatcher ligne par ligne et voir le rendu sur la peau. Me revoilà pour le swatch de la première ligne. Donc voilà pour les couleurs. Vous avez l'intégralité des couleurs. Il y en a 2, 4, 5, 6, 7. 7 par ligne. Donc je vais vous approcher la palette pour pouvoir vous donner le nom de chacune d'entre elles. Donc il y a Poppin, ensuite Rio de Janeiro, Gossy, Binotti, Lush, Feathers et Cha-Cha. Pour le Cha-Cha-Cha, je pense, parce qu'il y a plein de choses de salsa, samba, etc. Donc au niveau des couleurs sur le bras swatché, c'est comme ça. Donc un beige très clair. Plutôt un crème ici, excusez-moi. Le beige, là et là. Ici, un peu plus marronné. Ce irisé, il est trop, trop, trop joli. C'est Binotti. Donc, soit mauvaise. Le beige clair. Et ça, c'est les deux violets, dont un irisé avec des jolies paillettes. Donc, voilà pour la première ligne. Je l'enlève et je vous fais part de la seconde ligne de cette merveilleuse palette. Alors, je vous accueille pour le swatch de la deuxième ligne. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Donc, il y a un beige mat. Après, l'irisé ici, très, très joli. Un marron irisé aussi. On voit moins les paillettes là, mais il y en a quand même. Le bleu. Le jaune mat, ici aussi, un marronné plus clair que celui-là, avec beaucoup de paillettes, c'est la couleur Brasil, donc qui porte le nom de la palette. Et ici, un violet qui tire un peu vert prune, voire aubergine. Très très joli. Ces deux couleurs-là, moi je les utiliserai peu parce qu'il faut quand même oser les porter. Et puis c'est plutôt pour moi des couleurs estivales, donc pas spécialement dans la saison de maintenant. Je vous montre la palette avec le nom des couleurs que je viens de vous swatcher. Donc vous avez la première, Flamingo. C'était celle un peu la première du flamant rose là. Carnaval. Donc c'est ce joli irisé beige. Donc, Make It Pop, Paradise, Bright, Brazil et Samba. Donc, je vous remontre le bras rapidement au niveau des couleurs. Là, c'est pour la deuxième ligne. Voilà pour les correspondances. Et je vous swatch la dernière ligne. Me revoilà pour partager avec vous le swatch de la dernière ligne de cette belle palette. Donc en nouveauté, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre et j'ai trouvé cette palette chez Action. Donc on a encore les 7 fards. Donc là un beige mais presque blanc, très mat. Ici un petit irisé plutôt blanc mais avec des touches rosées. C'est un peu nacré rose. Ici, ça tire vers du orange. C'est un rose orangé. Un rose à paillettes, donc irisé. Là, un marronné avec pas mal d'orange, de notes d'orange dedans. Glitter, cette couleur s'appelle. Donc c'est pour les paillettes et c'est doré. Et on a un noir mat. Donc voilà pour la couleur de la dernière ligne de cette palette Brésil. Je vais vous approcher les fards pour vous donner les noms. Donc on a ici Tiki, Beach, Hot Night, Salsa, Tropical, Glitter et Hot Stuff. Bon, cette ligne se veut plutôt chaude, hein, entre la plage, les nuits chaudes, la salsa, le tropique et tout ça. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup la correspondance avec mon poignet. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
Je recule un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu. Donc voilà, je vous remontre l'ensemble des paillettes. Elles sont vraiment très colorées, c'est très festif, très vif. La palette est très jolie aussi. J'adore tout ce violet, bleu. Ça mélange un peu des couleurs froides et chaudes, mine de rien. Elle est très jolie, très pigmentée. J'aime beaucoup, beaucoup, encore une fois, les couleurs irisées. Je suis moins fan du salsa, là. Le rose comme ça, je le trouve assez difficile à porter. Je ne sais pas si j'utiliserai beaucoup ces trois couleurs-là et le violet. Ou par parcimonie, quand ce sera l'été. Les nudes sont très beaux, donc je pense que je prendrai plaisir à le travailler. Le petit samba aussi, il était sympa, là. Et puis les marrons sont magnifiques, le violet est très beau, donc il y a beaucoup de couleurs, de quoi s'amuser les filles, ça apporte une touche de festivité, n'hésitez pas si vous la voyez de vous laisser tenter tout simplement, il y a beaucoup de couleurs qui se prêtent à des maquillages jour classiques et d'autres pour des maquillages un peu plus osés et des maquillages de fête. Donc j'espère que ce petit swatch vous aura plu, que cette palette vous aura donné envie. Je vous rappelle qu'elle s'appelle Brasil et qu'elle est disponible dans certains Action maintenant. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.